Comment optimiser ses images sur son site web La vitesse de la page est importante pour le référencement et l'expérience utilisateur. Mais de nombreuses entreprises manquent une opportunité facile d'améliorer ce domaine, l'optimisation de l'image. Depuis quelques années, la vitesse de chargement des pages est devenue très importante pour le taux de trafic et le classement de vos sites web. Les utilisateurs veulent des sites rapides et parce qu'ils veulent des sites rapides, Google le veut aussi. Le système de référencement Google classe donc mieux les sites rapides et réactifs. Vous pouvez faire appel à un développeur pour qu'il optimise le chargement de vos pages. Cependant, tous ces problèmes de chargement ne nécessitent pas une grande connaissance technique. Dans notre cas, le problème que nous allons aborder ici est le poids des images. Si une page peut être longue à s'ouvrir, c'est souvent dû au chargement des images. Heureusement, l'optimisation des images est une victoire très simple. Images et chargement de pages. Un audit fait sur la rapidité des pages a donc relevé que le poids des images est la partie majeure du problème de chargement. Les développeurs web semblent avoir oublié qu'il est nécessaire de redimensionner et de compresser les images avant de les uploader sur le serveur. Aujourd'hui, il est courant de voir des sites avec des mégaoctets d'images sur des pages. Des mégaoctets. Une page ne devrait jamais dépasser un mégaoctet, mais c'est une constatation fréquente sur le web. En effet, beaucoup de sites web arrivent à dépasser les 10 mégas, voire plus, par page, et c'est généralement dû aux problèmes d'optimisation d'images. Le simple fait de savoir redimensionner, compresser et sauvegarder une image peut améliorer grandement la rapidité de chargement de vos pages et procurer une meilleure expérience utilisateur. Quand est-ce que nous nous sommes égarés Remontons 20 ans en arrière. Les connexions étaient tellement lentes que les pages web ne pouvaient pas se permettre d'être lourdes. Cela n'avait rien à voir avec le référencement il n'y avait juste pas le choix pour que la page s'ouvre dans un temps acceptable. Un site qui contenait 1 méga par page pouvait mettre 15 minutes à s'ouvrir. Maintenant que nous sommes dans l'ère des communications rapides, les sites sont devenus très laxistes dans la surveillance du poids des pages, ce qui se traduit par des sites pouvant atteindre 25 mégas par page. Bien que les connexions soient maintenant plus rapides, le chargement d'une page est aujourd'hui encore plus important car il y a des paramètres restrictifs qu'il n'y avait pas à l'époque comme les téléphones portables et le référencement Google. Au début de l'Internet, comme le chargement d'une page était crucial pour la navigation, les entreprises avaient des personnes graphiques dédiées à l'optimisation de l'image. Maintenant, la plupart s'appuient sur le CMS, le Content Management System, leur système de gestion de contenu, pour redimensionner l'image et la compresser. Cela signifie que dans la plupart des cas, l'optimisation de l'image se produit après le téléchargement ou le Ce processus se traduit par des poids de fichiers trop élevés pour les images, ce qui ralentit la vitesse d'une page et donc un référencement moindre du site. Pourquoi ne pouvez-vous pas compter sur les CMS pour redimensionner et compresser vos images Quand vous utilisez un CMS pour redimensionner une image, il ne modifie généralement que la taille de l'image et ne la compresse pas. Si vous ne compressez pas l'image, comme dans WordPress, le taux est pré-réglé. Cela signifie que même si cela représente un travail décent, vos fichiers sont toujours 15 à 30% en moyenne plus gros, voire plus, que s'ils avaient été correctement compressés avant d'être ploidés. Cela peut être très problématique sur des sites qui ont plusieurs images par page. Le plus souvent, dans les audits réalisés, les images représentent en moyenne 40 à 60% du poids de la page, ce qui est quand même très conséquent. Alors, que devriez-vous faire avant de ploider vos images Vous devez les redimensionner. Redimensionner vos images est très important. D'abord, assurez-vous de redimensionner une image à la taille désirée dans un logiciel comme Photoshop. Ensuite, même si vous devez encore la redimensionner dans le CMS, vous travaillerez avec une taille de fichier plus petite dès le début. Les types de fichiers. Redimensionner et compresser votre image n'est pas la seule tâche. Beaucoup de personnes qui manipulent des images sur un site sans les compétences nécessaires utilisent du JPEG, quand ils devraient utiliser du PNG et vice-versa. Lorsque vous utilisez le mauvais type de fichier, vous pouvez augmenter le poids d'un fichier de façon spectaculaire. Alors quel type de fichier utiliser Il y a plusieurs types de fichiers. Le JPEG, le GIF, le PNG, le WebP. Ceux que vous utiliserez le plus souvent sont le JPEG et le PNG. En général, on ne choisit pas le type d'image, mais on laisse celui choisi par défaut. Cependant, le mauvais choix du type de fichier peut effectivement rendre vos images plus importantes qu'elles ne doivent l'être. La façon la plus simple pour savoir si vous devez utiliser PNG ou JPEG est de vous demander ⁇ je regarde une photo ou autre chose comme de l'art ou un logo ⁇ Chaque fois que vous sauvegardez une photo, utilisez du JPEG. Pour tout le reste, logo, coin de menu, tableau, une œuvre d'art, etc., utilisez du PNG, y compris pour les éléments de navigation. La différence entre JPEG et PNG. Le JPEG a une perte lors de la compression, c'est-à-dire qu'il perd quelques données de façon permanente lors de la compression. L'œil ne perçoit pas cette perte de données, ce qui permet d'avoir un fichier plus léger sans dégradation visible. Bien sûr, cela dépend de la qualité du JPEG enregistré. Plus la qualité est réduite et compressée, plus les données seront perdues. Si elle est enregistrée dans une qualité trop faible, l'image sera visiblement de mauvaise qualité. Si vous souhaitez éviter ce problème, n'allez pas en dessous d'un taux de qualité de 50% lors de la sauvegarde de l'image. Avec les cartes graphiques d'aujourd'hui, un taux de 50% devrait laisser la qualité suffisamment élevée pour avoir l'air correct, mais assez bas pour économiser beaucoup de taille de fichiers. A l'inverse, le PNG ne perd pas de données lors de la compression. L'image est rééchantillonnée et une couleur similaire peut être utilisée lors de la compilation des données, mais les données ne sont pas supprimées du fichier. Il existe deux types de fichiers PNG l'un est 24 bits et l'autre fichier est en 8 bits. Lorsque vous essayez de réduire la taille de fichier, vous devrez le paramétrer en PNG 8 bits. Référencement naturel, smartphone et poids d'image. Rappelez-vous, la vitesse de la page est importante pour l'utilisateur et est encore plus importante sur les smartphones. Si vous ne faites pas de votre mieux pour optimiser vos pages pour un téléchargement rapide, vous perdrez des utilisateurs et ainsi que des classements potentiels dans les moteurs de recherche. L'optimisation d'image est une victoire facile. Presque tous les sites ont un problème d'image. Si vous pouviez économiser 20 à 40 du temps de chargement de vos pages, cela ne vaudrait-il pas le coup Merci et à bientôt